Coucou tout le monde, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Je viens de recevoir deux paquets d'Amazon directement de Artisa. C'est la deuxième fois que je commande chez eux. La première fois, j'avais commandé les Real Brush Pen, le pack de 24. Et là, je viens de commander les crayons de couleur. Alors, on va les ouvrir ensemble. Les watercolor pencils de Artisa. Bon alors en vrai, les crayons aquarelles en fait, je connais pas trop. Jusqu'à présent, j'ai utilisé les Carandash que j'ai récupérés de ma maman qui les tenait de son père. Donc, autant vous dire que c'est des crayons qui ont une bonne petite quarantaine d'années. Donc, au niveau pigmentation, on est sur quelque chose d'un petit peu... D'un peu passé, quoi. Je vais vous montrer. Voilà. Hop, les Prismalo Carandash que j'utilise ont cette tête-là. Ce qui n'est pas... Bon, c'est tout à fait correct, hein, j'avoue que j'avais envie d'essayer un peu une autre marque. Et puis, avoir toujours son matériel d'art à soi, c'est toujours plus sympathique. Donc, on a déjà cette superbe boîte. Et enfin, les crayons tout simples. Enfin, tout simple. J'en ai entendu beaucoup de bien de partout, que ce soit sur les blogs, que ce soit sur les reviews en vidéo, de partout on disait que c'était des crayons étonnamment bons, pigmentés et crémeux pour le prix. Alors moi j'utilise les polychromos de Faber-Castell, j'en ai une boîte de 12 et j'utilise aussi les... Prismacolor et voilà, donc c'est beautiful. Hop, alors waouh, trop beau. Alors, il disait que les crayons avaient une... Quand on les tenait en main, tout le monde nous disait oh ouais, on dirait un peu des polychromos et tout. Que le bois était de bonne qualité, machin. Et bon, alors c'est vrai qu'ils sont agréables à tenir en main. Que le fait que le baril soit ici, qu'il soit fermé, donne un effet très ocean blue. Très professionnel. Mais les polychromos sont quand même beaucoup plus lourds en main. Là, on a l'impression d'avoir pas... Bon, moi, j'aime bien quand les choses qu'on a en main sont assez lourdes. Donc, ça permet de... Ah, c'est vrai qu'ils sont pas pratiques, ces petites tirées. Hein. Tout le monde me le disait. Je me suis dit, bah, c'est des gens qui ont des ongles. Moi, j'ai pas d'ongles. Mais en fait, non, c'est juste pas pratique parce que le truc se plie. Enfin, la raquette se plie là, sur le côté. Et c'est... Ouais, je vais mettre des... Oh. Dark chocolate. Bonjour la bêtise. Ouais, c'est pas du tout évident. Hop, donc là la boîte tient bien fermée. Elle est épaisse, mais franchement sans plus, c'est un bon format. J'aime beaucoup le packaging. Je sais pas pourquoi, mais pour moi le packaging est important. Hein? Alors sur celle-là, je pense que c'est un défaut de la mienne, mais le côté gauche ici est un peu faible, c'est lui qui sort en premier. Je sais pas pourquoi. Ok, alors là, contrairement aux autres crayons, ceux-là sont en hexagone. Je ne saurais pas vous dire lequel je préfère, mais l'ultramarine doit être vraiment très beau.
Après, je pense que ce sont des crayons qui doivent être très complémentaires pour travailler ensemble. Ça doit être super sympa. Et ben franchement, aussi le fait d'avoir acheté une boîte de crayons d'aquarelle, ça va m'obliger enfin à utiliser l'aquarelle parce que ben je ne l'utilisais pas des masses. Emerald and Forest Green. Ok, bon bah écoutez, on va passer à un petit test tout de suite. On est parti!